Coucou Méline, merci pour ton petit message. La route ce matin, là je suis en Vendée, donc voilà, il me reste à peu près 4 heures de route. Et c'est des meubles et ça m'inspire. C'est le bruit du sud. Ouais, je vais rester là toute la journée. Je vois du 34 degrés quand même. Je suis dans le thème. Les gens respectent R. JPP. Le centre, il est là. Moi, je suis partie dans l'autre sens. Ici, ils disent l'océan. Je vais me faire taper dessus si j'ai la mer. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi dans le sud de la France, à Biarritz. Donc là, nous sommes au plein mois de juillet. Vraiment, je crois qu'on est le 12 juillet, c'est ça. Et en fait, j'ai 10 jours de vacances, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'en fait, c'est juste que j'ai 10 jours entre deux embarquements. Du coup, je me suis dit, autant en profiter, prendre des petites vacances parce que là, c'est vrai, c'est l'été, tout le monde est en vacances et tout. Mais il y en a qui taffent, dont Bibi. Donc voilà. Je me suis dit je vais en profiter de ces 10 jours. Bah voilà, prendre des vacances aussi parce que je l'ai mérité. Je vais aller dans le sud de la France, dans le sud-ouest, dans le coin de Biarritz. C'est un coin de la France que je n'ai jamais fait encore. Enfin, j'y suis passée mais genre super rapidement, je ne me suis jamais vraiment arrêtée. Voilà, écoutez, c'est reparti. On va refaire sa valise. J'ai l'impression de ne faire que ça. Refaire, défaire, refaire, défaire, refaire, défaire ma valise. Mais je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas me plaindre. Je suis très heureuse de ce mode de vie. Ça me va très bien et puis là en plus c'est pour partir en vacances. Donc c'est d'autant plus motivant que de faire sa valise pour aller travailler. Donc voilà, écoutez, je vais partir demain très tôt. Donc c'est pour ça que je vous fais l'intro la veille, parce que j'ai quand même à peu près 8 heures de route hein. Ça va être relativement long. Voilà, vu que Biarritz c'est quand même assez loin de chez moi. Et puis voilà, ça va être trop cool. Là je suis partie, du coup j'ai pris la route ce matin, comme vous avez pu le voir, la route s'est très bien passée. C'est un petit peu bouchonné là au niveau de Nantes, mais comme d'habitude on va dire, hein. Tant un peu le coin que ça bouchonne. Donc là je suis en Vendée, je pense que je suis pas très loin des Sables d'Olonne, de Cholet, enfin bref dans ce coin là. Mais voilà, j'ai bien avancé, je pense que je suis pas encore à la moitié, mais presque, je suis presque à la moitié. Il me reste à peu près 4 heures, je pense que j'arriverai ce soir vers 18h, quelque chose comme ça. Mais voilà, je me stresse pas. Vous entendez ce bruit? Ah! C'est le bruit du sud, c'est le bruit du soleil, c'est le bruit des vacances. Ça y est, je prends l'accent du sud. Non, je vais me taire. Bon, écoutez, je fais la dernière pause, là, c'est la dernière ligne droite. Mais il y a des bouchons de malade mentaux en même temps, oui. Quelle idée d'aller à Biarritz, soit l'endroit le plus touristique de France, mi-juillet. Mais écoutez, sur le coup, je suis pas très maligne. Genre, autant je vous vends, oui, machin, ouais, genre saison, machin, truc, visuel. Autant là, je vous avoue que j'ai pas trop géré sur le coup, mais écoutez, pff, tant pis,
C'est pas grave, même les meilleurs font des erreurs. Du coup là je vous fais une petite pause, il fait bien bien chaud là, on adore, le soleil est présent. Je pense qu'il me reste à peu près 1h30 de route si ça bouchonne pas trop. Et voilà, j'ai hâte d'arriver là. One eternity later. Ça y est, je viens d'arriver à l'instant à Biarritz. Je suis pas tout à fait à Biarritz, je suis à 15 minutes de Biarritz en voiture, enfin bref, on s'en fout. Je viens d'arriver dans mon Airbnb, ça y est, je suis trop contente après 8 heures de route. Wouhou! C'était long quand même, c'était bien long, mais ça va, ça se fait franchement tranquille, au calme. Du coup, je suis dans mon petit Airbnb, il est trop chouette. Je sais que quand j'ai vu l'annonce, j'ai sauté dessus parce que vraiment, il était trop trop beau et franchement, les photos correspondent à la réalité, il est trop chouette. En fait, c'est genre en dessous d'une maison. Genre il y a le propriétaire au dessus et genre en dessous ils ont tout aménagé en mode Airbnb. Genre c'est trop une chouette idée, genre franchement c'est super bien fait. Donc voilà, pour vous montrer rapidement, on a l'entrée qui est ici. En fait voilà, c'est en gros c'est un peu en sous-sol, demi-sous-sol. Et du coup là on a la pièce principale, donc je viens d'arriver, je me suis pas installée encore. Ensuite ici on a la partie chambre. Tac. Voilà, vraiment je trouve c'est super super joli avec la petite séparation là, la petite verrière. Et ensuite, on a la salle de bain. Tac. Voilà. La salle de bain. Voilà. Tac. Voilà. Du coup, voilà. Je vais déballer mes affaires. Voilà. Pour ce soir, je devais retrouver une pote, justement, pour boire un verre sur Biarritz. Mais en fait, on s'est dit tous les deux qu'elle, elle est crevée. Et puis moi, je suis un peu crevée par la route. Et en plus, il est quand même assez tard. Il est quand même 20h. Donc, on s'est dit, c'est pas grave. On remettra ça demain. Hein. Je reste quand même 3 jours. Donc, j'aurai largement le temps de la voir et de faire des trucs. Donc, voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, voilà. On se retrouve demain. Du coup, ouais, c'est ça. On se retrouve demain pour la première journée entière à Biarritz. À demain. Je vais rester là toute la journée. Hola tout le monde, je vous retrouve pour le premier jour plein à Biarritz. Écoutez, ça va être une très belle journée. Il fait très très chaud aujourd'hui. Voilà, il prévoit du 34 degrés aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai une tenue assez bizarre. Enfin, genre mon maillot en dessous, ça fait un petit peu chelou quand même. Mais bon, en fait de base je pensais aller visiter Biarritz, aller me promener un petit peu. Mais je me dis avec cette chaleur je pense que je vais plutôt aller à la plage. Donc c'est pour ça que genre j'ai mis mon maillot en dessous. Oh, ça fait bizarre mais c'est pas grave. Parce que voilà, il va faire super chaud. Je me suis réveillée vachement tôt là, il est 9h à peu près. Je me suis réveillée à 8h30 mais en fait j'étais plus fatiguée. Donc je me suis dit bon bah autant voilà, autant commencer cette journée. Je vais aller faire des petites courses parce que je me suis rendu compte hier que j'avais oublié mon gel douche. Et oui. Du coup, j'ai dû me laver avec le savon pour les mains qu'il y avait dans le Airbnb. Mais bon, avec un gel douche, ce sera mieux. Du coup, je vais aller faire 2-3 petites courses. Faut que je prenne également de quoi déjeuner parce que j'ai rien du tout. Ça va être ça. Et ensuite, je vais prendre la direction de Biarritz. Donc, c'est ça. Je vais voir en fait en fonction de comment je supporte la chaleur ou pas. Je vais essayer de visiter un petit peu aujourd'hui. Je vais pas me stresser hein, s'il fait trop chaud. Je vais me poser à la plage et voilà, ça va être le programme de la journée. Donc voilà, écoutez. Je vais aller faire mes petites courses et puis bah c'est parti, on attaque cette première journée. I only came over cause all my friends said I should get more. Smile and not at all of the small talk but keep. Vraiment mes petites courses, j'ai juste pris de quoi manger pour ce midi. Déj, du gel douche. Et regardez ce que j'ai trouvé. Mon petit, regardez, il est trop cool. Voilà, un petit t-shirt comme ça. Et on avait plein en fait. J'ai aussi oublié de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet. Et c'est la Saint-Camille. Et oui, fun fact, la Saint-Camille, c'est le 14 juillet. Donc voilà, écoutez, bonne fête à moi. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, vu que c'est le jour de la fête nationale en France. C'est aussi la Saint-Camille. Voilà, écoutez, du coup, n'hésitez pas à me souhaiter ma fête en commentaire. Juste d'arriver au premier spot, mais c'est incroyable, cette ville est incroyable, je sens que je vais venir vivre ici.
un jour. Mais je vais venir vivre ici, c'est trop beau. C'est incroyable. Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything, I was lonely. Now you're my everything, I was lonely. I missed a lot of love with a lot of drugs, then I found you. She liked petty crime, she had green eyes like mine do. And where she go, I'll never know, her friends bounce to. I guess it's their loss, cause they'll never know. Les gens respectent R. Yellow, PYT, walking down for a better, put a smile on his face. At the end of the day, MDMA helped us fly away. Who'd have known you would save my life? Who'd have known you would fly my kite? Could you tell? Could you tell where my head was at when you found me? Me and you went to hell and back just to find peace. Man, I thought I had everything. Je trouve que là, on est vraiment trop posé. La partie de la plage là, elle était fermée, je sais pas trop pourquoi, je pense qu'il y avait le défilé du 14 juillet. Parce que oui, on est le 14 juillet. Je pense qu'il y avait le défilé et du coup là ils ont réouvert une partie de la plage. Et du coup c'est grave cool parce que du coup j'ai pu m'installer dans un spot à peu près tranquille, sachant que la mer monte. Comme ça au moins je serai tranquille, donc c'est grave cool. Par contre qu'est-ce qui fait chaud? Oh, purée, forcément, genre par contre je suis pas très maline, genre je m'expose au soleil, il est genre midi. Il faut pas du tout faire ça, ok les gars, il faut pas faire ça. Mais j'ai quand même mon chapeau, j'ai mis ma crème solaire. Mais quand même, ne faites pas ce que je fais. Si je suis descendue dans le sud, c'est pas seulement pour découvrir le Pays Basque, mais c'était aussi pour revoir une amie qui m'est très chère, j'ai nommé Méline. Méline, on s'est rencontrés à l'université il y a près de 5 ans de ça, à Angers, on faisait nos études ensemble, et depuis on est restés en contact, et on peut dire que Méline, elle a le sens de la fête. Donc je ne me suis vraiment pas ennuyée avec elle, et j'étais trop contente de la voir. Donc le soir après ma journée plage, j'ai retrouvé Méline et nous sommes retournés à la plage. Parce que clairement, vu la chaleur, il n'y avait que ça à faire, honnêtement. Ensuite, on a fait un petit barbecue, on a été voir le feu d'artifice à côté de Biarritz, c'était trop top. Et puis bah, on a fini la soirée en beauté, quoi. On se retrouve pour le deuxième jour plein à Biarritz. Hier je vous ai pas trop repris en fin de journée. Aujourd'hui ça va être une journée pluvieuse hein, par rapport à hier. En vrai je suis super contente d'avoir grave profité hier du soleil et de la plage. Parce que bah, aujourd'hui il pleut, enfin il fait gris quoi. Mais au moins c'est cool parce qu'il fait beaucoup moins chaud. Parce que vraiment hier c'était infernal quand même hein, il faisait vraiment trop chaud. Alors que là du coup ça va un peu mieux. Aujourd'hui au programme, je vais aller à Bayonne, que du coup c'est juste à côté de Biarritz. Et puis voilà, Bayonne c'est quand même un endroit assez connu et incontournable. Donc je me suis dit, on va aller découvrir la ville de Bayonne. Et puis, voilà, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir. Mais bon, je pense que ça sera quand même plus agréable parce que la température a largement baissé. Je crois qu'aujourd'hui il fait 22 degrés par rapport à hier. Ça va être beaucoup plus chill. Forcément j'ai pris le mauvais chemin. Genre... Le centre-ville il est genre là. Genre c'est bon là j'ai retrouvé le chemin. Le centre-ville est là. Moi je suis partie dans l'autre sens. Oh,
Rossegor, magnifique. On est dans les Landes là, on n'est plus dans les Pyrénées-Atlantiques. Oh, c'est genre juste à côté. C'est magnifique. C'est les grandes plages, mais immenses. Enfin, c'est l'océan même. Si, c'est l'océan. Je vais me faire taper dessus si j'ai la mer. Telle bonne bretonne. Non, ici c'est l'océan. Je suis revenue de Hossegor, du coup j'ai été voir un petit peu la plage. Il y a aussi le centre-ville qui est super sympa, mais c'était bondé de monde. Du coup c'était un petit peu galère pour circuler, donc j'avais pas trop envie de m'attarder. Du coup je suis rentrée, j'ai fait une petite sieste qui m'a fait grave du bien. Et là du coup je vais repartir, donc je vais retrouver encore mon amie Méline. Enfin, je vais la rejoindre à son camping, on va sûrement refaire un barbecue je pense. Je ne pense pas qu'on va sortir ce soir, je vais laisser ma caméra ici. Ouais. Bien. Allez. Focus. Focus. Ok, on se retrouve pour le troisième jour plein, du coup, à Biarritz. Et c'est aussi mon dernier jour, demain je rentre. Mais écoutez, pour ce dernier jour, c'est cool, le temps est un petit peu meilleur que hier. Bon, hier ça allait quand même, en fait il a plu, mais ça va, ça a été, c'était quand même assez tranquille. Je vous ai pas trop filmé, mais en gros, j'ai fait un barbecue avec mon ami. Puis ensuite, on est resté posé au mobilhome, on n'a rien fait de spécial. On n'est pas sorti ni rien, on est resté vraiment tranquille, c'est exactement ce qu'il fallait. Aujourd'hui, du coup, pour ce dernier jour, ce matin, donc avec mon amie Méline, on va aller visiter Saint-Jean-de-Luz parce que c'est un endroit super sympa et que j'avais envie de voir. Du coup on va faire ça. Ensuite ce midi je retrouve une autre amie, Morgane. On va manger ensemble et ensuite on verra ce qu'on fait l'après-midi. Je pense qu'on ira un petit peu se promener dans Biarritz, faire un petit peu les trucs que j'ai pas fait encore. Écoutez, je vais y aller parce que sinon je vais être à la bourre. Ça y est, purée, je viens juste de rentrer chez moi à Brest. Je l'ai fait, comme d'habitude je suis folle. Mais je suis trop contente, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce petit trip dans le sud à Biarritz. C'était vraiment un coin que je voulais visiter et franchement je suis trop contente. C'était au-delà de mes attentes. Donc voilà, je suis bien rentrée après 8 heures de route. Je suis chez moi pour pas longtemps, hein. Yes, je repars dans 2 jours pour Cherbourg. Là c'est pour le travail, vu que j'embarque sur un bateau qui part de Cherbourg. Mais ça, voilà, on verra ça plus tard, hein. Mais écoutez, du coup je vais profiter du peu de temps que j'ai chez moi. Je vous rassure, au mois d'août ça va être beaucoup beaucoup plus chill. J'aurai plus de temps chez moi parce que c'est vrai que là je savais de toute façon le mois de juillet ça allait être un petit peu la folie. Mais voilà, écoutez, j'espère que ce petit vlog dans le sud vous aura plu. Moi vraiment ça m'a ressourcé, ça me fait tellement du bien. Donc écoutez, je vais arrêter cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, mettez j'aime. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!